Yes, baby! Let's go! Épisode bonus number 2. Je sais pas combien de temps que cette vidéo-là va durer. Aujourd'hui, e-reader's level. Holy shit! Let's go! C'est la première fois que je vois ce menu-là, ever. Press A button to add level. Press A button to erase level. Techniquement... Wait. What the fuck is all this? Skill, une banane? Trois bananes? Puis pourquoi lui est là comme plus gray? Ou peut-être parce qu'il est juste mauve? I think that's it. Ok, j'ai quasiment le goût d'y aller. De faire des skills, une banane en premier. Après ça, les deux bananes. Puis après ça, les trois bananes. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Je vais pas aller en ordre comme ça parce que, tu sais, comme... Après ça, tu finis sur un... Tu finis genre... Sur un... Une banane puis un deux bananes. C'est un peu anticlimatique, à mon humble avis. Fait que on va y aller en ordre. Puis par le nombre de bananes, ok? Level Revenge. Skill, une banane. Let's go. Yo, je t'excite en tabarnak. Oh, shit, c'est la première fois que je vois ça, bro. C'est la première fois que je vois ça, man. C'est la première fois que je joue ce style level-là, bro! Damn! Ah, ça, on dirait un level editor, sir. Ça, là, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu de Mario vs. Donkey Kong Vanilla. Un level editor. Genre, je pense que le truc que j'ai eu le plus de fun dans Mario vs. Donkey Kong 2, le jeu sur la DS, c'est justement le level editor. J'ai passé du temps en tabarnak dans ce level editor-là. Mais, il y a le level, un level editor de Vanilla Mario vs. Donkey Kong aurait été nice en tabarnak, let me tell you that. Ok, j'ai infini de vie, j'aime juste de voir ça. Au début, j'étais comme, what the fuck que j'ai zéro vie, non, j'ai infini. Genre, je pensais que c'était 0-0 au début. Alright, un level, that's it, pas de high score. C'est comme le level bonus, infini de vie, level E1 done. Huh! That's pretty cool, man! Ok! Ça m'affiche les cadeaux qui sont là. Puis, par contre, ils ne gardent pas le score que j'ai fait. Ok! Really nice! Pour un level, un skills... Ok, sure, c'est quand même easy, là, mais... il y avait un peu des tricky jumps là-dedans, fait que j'ai hâte de voir c'est quoi les 3 skills. Alright, je vais skipper le E2 parce qu'il y a juste trop de bananes, ça va être un des derniers levels. E3, One Shot Blue, let's go. J'imagine que la couleur, ça veut dire le type de monde. Comme là, vu que c'est vert, ça va être un monde de forêt. Les autres, c'est de feu, des Ghost House, des Mystic Forest, puis le Twilight City. Là. Something like that. E3, let's go. Comme la convention de jeux vidéo, man. What the fuck? Tu sais quoi, je vais même pas checker. Je vais même pas checker, man. Je veux même pas me spoiler, genre, en checkant le... tu sais quoi, je vais sortir de là, bro. wait. En fait, j'ai pas le choix de prendre les rhinocéros. Huh, that's pretty nice. Ok. Je pensais que le mouvement de Mario était différent pendant 2 secondes, mais non, c'est probablement juste moi qui est fou. Je peux-tu monter? Oui. Je peux... Ok. Comment je fais pour le cadeau bleu qui est tout en haut, d'eau? Ah! Je peux-tu faire ça comme ça? Non! Non! Peut-être, en fait, ce serait expérimenté, mais je pense que la manière traditionnelle, c'est ça comme ça. Yeah. Mais je suis quasiment sûr que c'est possible comme ça. Donc, si je me mets sur le bord... Non? Je suis sûr que oui, man. Je suis sûr que oui. Ils ont peut-être testé des chips tellement durs que justement c'est pas possible, mais tu sais quoi? J'essaie une dernière fois. Je me mets sur le extrême bord que je suis capable. Je sais que techniquement il y a plus que. Comme ça. Fuck you, Mario, tu vas sauter en tabarnak. Okay. Yeah! Je le savais que c'était possible. Vous me ferez pas chier, bro.
Je connais mes limites de Mario vs Donkey Kong TM. Alright, fait que maintenant on refait juste ce level là, ben normal. Alright. Cool. Puis je vais exécuter mon fuckery de tantôt pour ça. Maintenant c'est juste un waiting game. Alright. Level un peu jank, not gonna lie. Mais c'est des e-reader levels, là. C'est pas des levels officiels ou whatever. I guess que c'est techniquement officiel parce que c'était un add-on, le Game Boy Advance. Fait qu'il y a quelqu'un qui a décidé de les créer, mais on dirait des levels Ramax, c'est ça que je veux dire. Hein. On dirait comme quelqu'un qui aurait fait ça dans Mario Maker, mais ça aurait été Mario vs Donkey Kong Maker. Là. Ok, fait que là, il y a ben des deux bananes. Fait que prochain level techniquement, c'est E7. Boo in a box. Oh, kinky, man. What the fuck is this, bro? Pourquoi Mario... ok. Whatever. Tu sais quoi, je vais aller ici. Ton est boue, là, tu peux te le mettre dans le cul, bro. Parfait. Et comme ça, c'est considéré un skill, bro. Well, I guess que c'est easy, là, mais... Si ça c'est 1, je me demande c'est quoi 3 en tabarnak. Oh, on va faire cet auto anyway, bro. Et voilà. Easy enough. Easy enough. Alright. Est-ce que je vous explique vraiment c'est quoi le e-reader? Si je, vraiment, vous savez... I guess que je l'ai fait plusieurs fois sur Issa Ultra. J'ai déjà expliqué sur... Mario 3 e-reader, là, mais grosso modo, là, si vous vraiment vous savez pas c'est quoi la e-reader, ça a été un add-on sur la Game Boy Advance que tu pouvais scanner des cartes, puis ce petit add-on là que justement que tu devais plugger sur ta Game Boy Advance a pas mal juste été vendu au Japon puis aux États-Unis. Je pense qu'au Canada c'était littéralement introuvable, puis de toute manière. Trouvable ou non, cette assise d'affaires-là était un assise de flop. Fait que... c'est rendu un objet de collection. Les cartes sont rendues rares comme le tabarnak. Ça coûte une fortune. No fucking thanks de vouloir acheter un e-reader puis de faire ça légitimement. Je vous dis tout de suite, il y a d'autres moyens de faire en sorte que vous pouvez jouer les level e-reader de Mario vs Donkey Kong. Comme qu'est-ce que je fais présentement. Faites vos recherches. C'est juste ça que je vais vous dire. J'ai dû gosser un petit peu pour avoir ces types de levels-là. Mais je savais qu'ils existaient depuis longtemps. Puis maintenant, je suis juste content en tabarnak de les jouer. What the fuck, Mario, bro? T'es-tu Jesus? C'est ça que je vous dis. Ça feel exactement comme un fucking ROM-hack. Maintenant, je suis curieux en tabarnak de voir si un ROM-hack de... Est-ce que le jeu lag, bro? Genre... Maintenant, je me demande si un ROM-hack de Mario, s'il y a déjà quelqu'un qui a fait un ROM-hack de ce jeu-là. Hey, le jeu lag, ça n'a pas de si d'allure. Il y a trop de boulettes, man. Avez-vous playtest vos acid levels de e-reader avant de les release au public? Si c'est exactement pour ça que le e-reader a ça flop, tabarnak. Et voilà. Ouh, non, drop la clé, bro. On dirait legit un acid level du vanilla Donkey Kong, bro. Nice. Level qui lag comme le Chris. T'as-tu un skill level puis un lag level? Lag level aurait été un 3 bananes là-dessus, man. Alright. Fait que toutes les 1 banane sont faites. Fait que maintenant, on s'aventure dans les 2 bananes. Fait que le E4, 5, 6, 8, 9, 12. Y'a pas une tonne de 3 bananes en fait. Y'en a juste 2. Yep. 2, 10. That's it. J'ai pas lu le nom du level en fait. C'était Danger Flowers. Nice. Next level. Egg Attack. Ah, c'est quoi là? Ça va être comme le E11, mais au lieu que ce soit 1 million de fucking. Piranha Plant qui garoche des bourrelettes, ça va être des oiseaux. Ah, oh, puis by the way, c'est un 2 skills, hein, fait que... apparemment, ce level-là, il est plus dur que les anciens levels qu'on a joués, là. Oh my god, j'ai hâte de voir. Oh, tabarnak, bro, il arrête pas de chier. Alright, viens ici.
Oh Chris, y'en a tombé les acides d'oiseaux! What? Ouais, c'est-tu l'oiseau ou c'est l'œuf qui m'a tué? I don't know. Ok, whatever. Je m'a juste rushé, là. Parce que... Oh, non, 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 on ramasse pas ça. Ok, good. Je pense que rusher n'est pas une mauvaise idée pour ce genre de level-là. Mais... Oh non! Le tabarnak m'a chié dessus, man! Comment accéder à la key, d'eau? Faut vraiment que je fasse le tour, man. J'ai pas le choix. Ok. Puis aussitôt que j'ai la key... Tu sais quoi, le cadeau jaune, techniquement, j'ai pas besoin de la ramasser. Quand je vais obtenir la key, je vais avoir mon cadeau jaune. Fait que ça comme ça... Yeah, whatever. Yeah, le cadeau jaune, c'est une trap, man. Oh, je peux pas passer par là? Je pensais que le trou était assez... Ok, whatever. Whatever. Alright. Ouais, je le ressens en tabarnak, le deux banane skills, là. Ok, t'as pas sauté mon gros tabarnak. Whatever. Il semble que j'ai dit beaucoup de whatever dans ça. Hey! Job well done. Ouais, j'ai ressenti les deux bananes, là. Les deux bananes ont été ressenties, bro. Nice! Now what? A4, A5 is next. Later, Gator. Gatorade, bro! Oh, what the fuck, man? Ah, oh, Chris, y'a des... Ils vont tous descendre. Oh, my fucking god. Je sais pas si c'est moi qui est lucky, là, mais y'a aucun Gator que... Ok. Oh, les tabarnak! Oh, my fucking god, bro! Oh, my... What the fuck, man? Là, vous me bloquez l'accès, là? Oh, gang de PD, man. Oh, bro. Faut que je refasse le tour. Ok, mais c'est un level de RNG, ça. Parce que je pense que les alligators agissent comme ils veulent. Fait que si en ce moment, lui, il descend pas, well, c'est du pur RNG en ce moment. Huh. Ce level kind of ass NGL, man. Wait. Je peux-tu me rendre? Oui. Ok, yeah, this level ass, bro! À date, c'est lui que j'aime le moins des e-reader, man. Ok, pis là, c'est juste straight shot to victory, ouais. Yeah, avec le RNG qui ne coopère pas en ce moment. Ok, nice. Ok, whatever. Level, il était ass, mais... ça, c'est le genre de level dont je suis content qu'ils ont pas crissé dans le jeu de boss. Bon, ils ont juste fait ce level-là, pis... Les créateurs étaient comme, non, ce level-là est tabarnakement ass, bro. Tu le crées ça dans un e-reader que personne va acheter. Oh, ouais. No space for new Mario vs Donkey Kong e-levels. Please erase the level first. Ouais, ok, t'as pas besoin de me crier après, jeu vidéo, man. J'ai juste misclick. Excuse me, man. Hot feet. Damn. Ça, c'est un level pour ceux qui ont des foot fétiche, man. Y'en a-tu qui ont des foot fétiche live présentement qui regardent cette vidéo-là? On va voir. Ok, la clé est juste à... What? Techniquement, là... Je pourrais juste faire ça. Le volume... What the fuck is this kind of... Tu sais, je sais, j'ai pas obtenu de clic à dos, là. Hey, nice high score! C'est quoi ça me dit si j'ai obtenu aucun cadeau? Rien. Le jeu il est pas triste ou whatever, non? Ok. Bon, ok, on va le faire legit, là. Let's go hot feet. Ouais. Hot feet proche de où c'est que t'habites, man. À 2 km de distance, man. Et voilà. Ben oui, je vais complètement blind. Je veux pas cheater avec le pouvoir de voir justement le level. Ok, good. Chris, il faut que je redescende en tabarnak, moi, hein? Alright. Ok, le cadeau, il est là. Puis il y a juste une vie là. C'est quoi? Why not? Ok, fait que là, on redescend, puis level complete? Sure. Toi, tu vas crever, though. Yeah.
No fucking way que c'est juste ça le level là. Hot feet. J'ai comme l'impression qu'il y a de la lave qui serait censée monter en ce moment. J'ai quasiment le goût d'attendre. Parce que j'ai comme l'impression que ce level-là, c'est le genre de level que c'est comme c'est du risk versus reward, genre. T'sais, c'est comme, il faut que t'ailles tout en haut pour collectionner tes cadeaux. Puis si tu prends trop ton temps, ben éventuellement la lave va genre augmenter. Well, tu sais quoi? Je vais rester ici. On va voir si ça y arrive quelque chose, en fait. En même temps, je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive quand il reste moins de 30 secondes. Parce que je pense pas que je vous ai déjà montré ça dans le let's play. Mais, il y a de l'air de rien se passer, en fait. Il est comme, t'es pas chaud. Non, pas l'air de se passer quoi que ce soit. By the way, le zéro, il compte. Putain. Ok, un peu disappointed. J'aurais pensé, genre, que la lave aurait augmenté ou je sais pas. Skills 2? That's a fucking lie, man. Je peux te dire straight up in your face, that's a lie, man. Alright. The Twomp Plate. What the fuck is. What? C'est quoi ce gros barrage de Twomp là? Ok. On va voir qu'est-ce qui se passe là. C'est-tu juste un level genre là, l'aide du fun de mon pit? Même temps, il y a la moto à Joël en arrière là. Alright, la moto à Joël est terminée là. Alright. Ouais, c'est ça, ok. C'est-tu juste genre là, l'aide du fun de mon pit? Maybe en fait, hein. Ok, collecte de shit. Ah, wait, je peux pas? Puis pourquoi il y a de la musique de forêt dans un Boo House? Ça, je vous dis, man, c'est. Comment je fais pour obtenir ce crise de cadeau là? Comme ça, I guess. Ah, ça, je vous dis, man, ce Romac là, feel. Je l'ai même dit moi-même. Ça feel fucking Romac. Ah, tabarnak, je suis con, man. Yeah, whatever. Mais ouais, écoute, c'est de la musique du monde 5 qui joue en ce moment, c'est même pas une musique de Ghost House. Well, whatever. Putain, on va recommencer, man. Alright. Je vais aller collectionner tout de suite le cadeau bleu avant de faire quoi que ce soit d'autre, là. Putain, ok, good. Comme ça, nice shot. Là, ce cadeau-là risque de faire peut-être un peu chier. Pas si je mets la clé là, puis je vais comme ça. Et même chose cette fois. Ok. En parlant de musique, là, c'est la première fois que je remarque qu'il y a une musique qui est pas dans son monde initial. Peut-être qu'il y a eu d'autres levels que justement c'était comme ça. J'ai pas réalisé pour les autres levels, mais. En tout cas, si ça a été le cas pour d'autres levels. Well. Je vais réécouter ça pendant que j'édite ou whatever, man. A tricky candle. Ok. Oh, what? Mario, man, c'est encore. Mario, c'est Jesus, man. What the fuck is this? Ça a de l'air nice en tabarnak, bro. Ça a de l'air vraiment puzzly en plus. Fait que. Wait. Je vais recommencer le level, ok? En même temps, ça me tente de voir Mario Jesus qui passe au travers du candle, yes. Parce que techniquement, je pourrais faire ça. Ouais. J'aurais pu monter là avec le spring, mais maintenant, je peux accéder à plus de place, c'est ça l'affaire. Y'a-tu un marteau à... pas l'air d'avoir de marteau dans ce level-là. Yo, ça feel vraiment rum-hack, pis j'aime ça en tabarnak. Ok, fait que la clé... je pourrais y accéder avec une switch bleue. Techniquement, ça fonctionnerait. Mais là, en ce moment, je suis con. Fait que je peux juste faire ça comme ça.
redescendre. Ouais. Une switch bleue en haut, là. Ouais, mais sauf que par contre, si j'active ce... Ouais, maintenant je comprends le tricky candle. Ok. Il me faut absolument une switch bleue. La switch bleue qui est en haut là, c'est ma meilleure. Ouais, attends, non, il y a trois switches. Il y en a quatre! Ok, never mind. Il y a quatre switch bleues. J'ai. Comment? Wait. La seule switch bleue qui me permettrait d'être ici puis pouvoir collectionner la clé, ce serait la switch qui est là. Mais maintenant, je ne peux pas. Fait qu'il faut que, je... Somehow, que je prenne le candle en bas là. Sauf que maintenant, je peux plus revenir. Parce qu'après ça, genre, je reviens, puis je vais en bas cliquer sur la switch bleue qui est en bas là. Wait. Ou sinon... Ah, il y a un bouton. Ok. Je pense que j'ai catché. Yo, c'est le fun en tabarnak en ce moment, par contre. Sauf que je vais retry le level. À date, je pense que c'est le level que j'ai eu le plus de fun à date. Ok, parfait. Là, il faut que je... Ah! Comme ça. Non, parce que... shit, je suis cave. J'ai pas vu ce mur-là. C'est quoi l'astuce? Maintenant, j'ai pas le choix de faire en sorte que... Ou à moins que... Ok, maintenant je comprends pourquoi ça fait chier. Yo, en ce moment les gears sont en train de tourner dans mon cerveau, puis I fucking like this, man. Fucking like this. Il faut que somehow je pèse la switch jaune, puis que je fasse le tour. Wait. Sinon, je suis juste cave en tabarnak. Puis je ne clique aucune switch site. Puis... Je suis juste cave en tabarnak. Ouais, fait que dans le fond... Je fais ça comme ça. Ça comme ça. Je ne clique pas de switch. Je m'en vais récolter la key. Puis... We win? Yeah, bro, je suis juste fucking cave et stupide. Wait. Non, je suis pas cave et stupide. En fait, oui, je suis cave et stupide. Je peux pas descendre une échelle avec une clé. Oh fuck, faut que je le garage dans le trou de... Well. J'ai compliqué les choses. Ok, j'ai compliqué les choses. Puis on va voir si je suis quand même capable de finir le level en 27 secondes. Yeah, ça c'est un challenge personnel. Ok. Alright, let's go, man. Yes, baby! Let's go, man. I fucking enjoy this one. Je me suis compliqué beaucoup trop la tâche pour rien. 200 de high score? I'm attacking that? Attends, wait. Ils sont où les chests? Dans... What? Ok, y'a pas de chest! Huh! Yo, je m'en allais dire, Chris, sont où les tabarnak de chest? Genre les cadeaux? Mais... Ok, y'en a juste pas. That kinda sucks, though. Mais je peux comprendre parce que c'est genre vraiment un puzzle, un level consacré vraiment beaucoup plus aux puzzles. Mais... Hey, je suis mélangé en tabarnak au début, man. Alright, on va skipper celui-là.
On va faire un level de Twilight Zone. Climb and fall. Let's go. My fucking god, what the fuck kind of level is this? Whatever kind of level that is, je suis dans tabarnak. En tout cas, il y a des cadeaux all day, every day, ici. Et voilà. Puis, Ok, ça run out. Bro, on dirait legit un vrai level de Donkey Kong. Genre le vanilla Donkey Kong. Wait, le feu. Le feu a tombé. Ok, je sais quelque chose. Yeah. Non! Oh my fucking god! Ça m'a fucking wait. Ok, il me faut une switch jaune pour la clé. Ok. Alors ça a l'air que ce feu-là à droite capote comme le Chris. Là. Alright. Easy level. Easy level, mais je suis quasiment sûr que tu peux faire un nest gros combo avec le feu, man. Puis c'est justement ça que je veux faire. Je vais faire un nest gros combo, je m'en calisse, mais. Et voilà. Et combien de feux? Je pense qu'il y en a un littéralement à tous les étages. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu peux faire un nest gros combo avec tout ça, man. Alright, on fait ça, man. Is it good? Et voilà, 19 200. Je pense que c'est le max de points que j'ai vu avec un combo puis un marteau. Well, je suis satisfait en tabarnak. C'est juste ça que je voulais voir, man. Alright. Fait que là, toutes les deux bananes sont faites. Celle-là, il est faite. C'est juste parce qu'il n'y avait pas de cadeau. Il reste juste E2 puis E10. Climb and fall, ouais, j'avais le level. Alright. Fait que. The long way. 3 bananes. Let's go, on va voir si c'est actually skill fucking tab. Yo, ça a l'air d'être du gros n'importe quoi, ça. What the fuck is all this? Wait. Je sais que j'ai dit pas de scouting comme ça, là, mais... Yo, ce level-là, il... What the fuck is this? Je sais même pas par où commencer avec ce level-là. Genre, attends. Premièrement, comment je fais pour me rendre en haut, là? Il me faut la switch jaune. Ou bleue. Et où la switch bleue? Ah, elle est là. Pour me rendre à la switch bleue, il me faut... What? How the f... Fait qu'il me faut cette poubelle... What the fuck? Où la clé? Je pourrais ramasser le cadeau bleu avec la clé. Yo, en ce moment, les engrenages dans mon cerveau commencent à rouler en tabarnak. wait. Si je commence un level, c'est la switch rouge qui est pesée. Ok. How the fuck? À moins que... Ouais. Comment je fais pour me rendre à droite? Je suis con. Je peux escalader comme ça. Mais quand même! Je veux dire... Il faut que la switch rouge soit activée pour que je monte là. Mais comment que je fais pour aller à droite pareil? Je veux dire... Je peux pas monter là si la switch rouge est pas activée. Si elle est activée, ben je peux pas aller... Je peux pas passer par là. Ou sinon... Parce que techniquement... Si la switch jaune est activée. Il faut que je prenne la clé puis que je monte par là? What the fuck?
kind of fucking level is this, my dude? Ok, I'm in. Tu sais quoi, I'm in. Il faut que je commence, mais tabarnak en ce moment, là, le cerveau, il est fucked. Le cerveau, il est fucked beyond belief, bro. Même en observant la map, je suis comme, what the fuck kind of fucking garbage ass level is this? Peut-être que c'est pas un garbage ass level, puis peut-être qu'il est actually fucking nice. We'll see about that. Ok. Fait que là. Faut que j'amène la clé l'autre bord. Comme ça. Oups. Comme ça, I guess. Puis que je repèse la. Wait. Ou non, je pèse aucune switch en fait. Ou. Non, il faut que la switch jaune soit activée pour ça. Je pèse sur la switch jaune, puis après ça, qu'est-ce que je... Ah, il faut que j'aille par en bas, puis... My God, que c'est un esti de shit show. OK, je suis à peu près à ça, là. J'ai 12 secondes pour me rendre l'autre bord, c'est ça que vous me dites? Fait qu'essentiellement, je dois faire... ça. Je pitch la clé là. Je clique sur ça. J'ai ma stop. Nice! J'ai cliqué à la switch jaune beaucoup trop vite. Holy shit, bro. That level is a fucking shit show, man. I do enjoy, though. I do fucking enjoy. Man, chance qu'il est pas dans le base game, c'est juste ça que je veux dire. Alright. Fait que là, ce coffre-là, on peut vraiment pas y accéder. Non, il faut absolument la clé. Fait que ça comme ça. Ok. Sinon, on peut dépire. Je peux juste drop la clé là. Clique la switch rouge. Ok. C'est ça qu'on va faire. Ok, la clé est drop. Comme ça. J'ai pas le choix de cliquer ça. Ah, j'ai pas le temps, man! What the fuck is... Je peux juste passer comme ça. J'ai pas vu ça, man! Ok, whatever. J'ai un petit peu capoté pour rien. Non, what? Il faut pas que je clique la switch rouge. Faut que j'amène la clé en haut, là. My fucking god, man! Prends ça, already. Fucking 30. Ok. What the fuck is this fucking level-là, man? Tabarnak! Ok, bon, le cadeau. Fait que ça, alright. Now, this. I win. Fait que j'ai juste à cliquer ça. Pis je m'en vais là, pis that's it, man. Dude, ce level-là, il est fucking ass pour les raisons un peu plus mécaniques, disons-le comme ça. Il mentait pas avec le 3 banane skills, bro. Est-ce que je l'ai exécuté de la bonne manière? J'ai probablement exécuté de long way, man. Je sais pas si j'aurais pu optimiser qu'est-ce que j'ai fait. Probablement, là. Probablement même fort beaucoup, là. Mais en tout cas, il reste un level qui tout de qui. Ok. Whatever. Mais final level du jeu, man. Holy fucking. Here we go. What the fuck is this now? Wow. Ok. Je pense que je vais avoir du fun en essayant avec ce level-là, man. Alright, let's go. Tu sais quoi? Bon, allez ramasser ce cadeau-là tout de suite. Et celle-là aussi. Hein. Ça aide-tu à quelque chose de cliquer sur cette switch-là? Ou. Le cadeau bleu, il est là. Je pourrais. Ok, c'est quoi? Bon, allez ramasser le cadeau bleu avant toute chose. Techniquement, je pourrais passer par-dessus les pics, mais je pense que c'est pas de la manière conventionnelle, fait que je vais pas faire ça comme ça. Ok, fait que d'abord,
On va juste aller ramasser la clé. Comme ça, puis finir le level. Ce level-là a l'air beaucoup plus simple que l'autre. Je vais fucking manger mes mots par contre là. Comme ça. Yeah, ce level-là en fait il est fucking facile. Maybe not, hein. Wait. Peut-être la fin va me poser problème par contre, c'est ça l'affaire. Parce que là en ce moment je clique sur la Switch. Mais ok. Ouais, là c'est une question de comment que je fais pour mettre la clé au bord. Ok. En fait, il y a juste plus de switch. What? Ah ben, attends, je vais juste cliquer le... Ok, ok. Fait que ça comme ça. Ok, là c'est là que ça va devenir... Ok, ok. Là c'est là que c'est genre... Ah mon tabarnak. Gosse dans cette partie de level là maintenant. I fucking dare you, man. Well... How the fuck can I do that? Techniquement... Je peux faire ça comme ça. Ça comme ça. Wait. Ok. Je sais pas si c'est de la manière intentionnelle. Là, je suis fucking perdu. Écoutez, s'il y avait une switch pour... Oh my fucking god, ouais, là, les engrenages, je spin en tabarnak dans ma tête. La seule affaire qui me fait chier, c'est pourquoi le conveyor belt, le dernier conveyor, genre tout à droite, n'est pas du même bord que tous les autres. Juste parce qu'ils sont du mauvais bord. Ah, si là, c'est là que ça vient me causer problème. C'est juste moi qui cave. Ah, ta gueule, le timer, man. Ouais, je pense que c'est un level qu'il faut que je recommence. Yeah, what the actual fuck, man? Je ne catch pas ce level-là. Huh. T'sais, I guess que... Oh, wait. J'aurais dû cliquer sur... Attends, si je clique sur la switch bleue, je mets la clé là. Puis après ça... Je ne catch pas ce level là. Yeah, that's a 3 skills, man. Maintenant, je le comprends, le 3 skills. Au début, j'étais comme, what the fuck, il va être plus facile que l'autre. En fait, peut-être qu'il va être plus facile que l'autre, c'est quand que je vais trouver comme la solution, mais... pas évidente, en tout cas. En tout cas, présentement, elle est vraiment pas évidente. Puis, je veux le plus de secondes possible. Tu sais, comme tout ça, là, it's all good, all ok. Super facile, même. Et voilà. Puis là, tu rentres ici, t'es rendu dans la partie dure du level. Now fucking what? On va essayer quelque chose, ok? Si je fais ça... Je fais ça... Genre... Ça fait-tu quelque chose? Parce que tu sais, commencement, ok cool, je suis ici. Mais... Ça a pas l'air de faire grand chose. Puis je vais juste perdre ma fucking clé.
Ah my god, ok, on va rechercher la clé, c'est pas si pire. Mais non, je sais pas si c'est moi qui est cave ou que le puzzle il est juste vraiment difficile. On va cliquer cette switch au cas où. Là. Et voilà, tu sais comme là je m'en vais l'autre bord. Là je m'en vais l'autre bord avec la clé. Et... Wait. Si je drop la clé là, puis que je clique sur... No fucking... Wait. No fucking way, c'est ça la solution. J'essaye quelque chose. Non, c'est ça, la clé va dropper, tabarnak. Qu'est-ce que je dis là? Parce que je vois une manière comment que je pourrais cheese le level. T'sais, si on parle pour cheese, puis je pense pas que c'était la manière intentionnelle. Genre je fais ça comme ça, whatever, et voilà, je suis quasiment sûr que je vais le réussir avant que le timer finisse là. Fuck. Ça comme ça. Non en fait je vais pas réussir, timer va être trop tight. Tu sais, si je vais de la manière cheesée là, parce que je viens de trouver comme une manière, mais c'est 100% sûr que c'est pas la manière intentionnelle. Si je suis là, si j'ai des cadeaux à ramasser, man. Voilà. Ok, ça. Ça comme ça. On va ramasser la clé. Comme ça. Alright. Now fucking hear me out, man. On s'en va là. Parfait. On met la clé en haut là. On appuie sur ce bouton là. Ça comme ça. La clé, je vais la laisser là pour le fun. Mais je vais genre cliquer sur le bouton jaune, whatever, c'est pas important. Fait que là, la manière cheesée, c'est genre, tu laisses la clé là. Tu fucking do this. Tu t'appuies sur cette switch là, puis tu reviens. Et voilà, puis le level techniquement est terminé. Mais je pense pas que c'est ça la manière. Tu sais, je ne pense sincèrement pas que c'est comme ça que tu voulais faire ce level là. Je pense qu'il y a une manière outre que de cliquer sur la switch, genre passer en haut des pics puis aller cliquer la switch grise qui est tout en haut. S'il y a une manière. Si c'était ça la solution, c'est fucking stupide. Mais comme je vous dis, je suis quasiment sûr que c'est pas ça la solution. Ok, tu sais quoi? Je vais y aller avec la deuxième solution que je pense qui était la légitime solution, ok? Je vais ramasser tous les cadeaux. Parce que maintenant j'ai exploré un peu plus le level, je suis comme, ok, je pense catcher comment il voulait que je fasse ça. I think. Il faut que j'emmène la clé. Ça comme ça. Que je m'en vais l'autre bord comme ça. Fucking clé, man, copère, please. Alright. Là, ils veulent que. Wait. Parce qu'il faut éventuellement que. On va juste ramasser le cadeau bleu avant. Parce que la manière comment ils veulent que je fasse ça, c'est que je me rende en bas là. Que la switch jaune soit activée. La clé en même temps soit là. Fait que d'abord il faudrait que je la garoche. Puis que je pèse vite vite sur le bouton jaune, genre. Attends, il y a un bouton jaune là sinon. Sauf que si je clique sur ce bouton jaune là, je peux pas redescendre. That's the thing. Y'a-tu un bouton jaune à quelque part d'autre? Ouais, well, y'en a un en haut là, mais lui aussi va me causer problème, c'est ça l'affaire. Puis lui, il est vraiment loin, fait qu'on l'oublie. Ouais, c'est ça, fait qu'il faut que je...
Il faut que la clé soit dans le cocon en bas là. Que le bouton jaune soit activé puis que Mario soit à côté de la Switch grise. Mais l'affaire, c'est que si t'actives le bouton jaune en haut là, Mario va être bloqué. Il sera pas à côté du bouton gris. Ou sinon, j'ai peut-être une idée. Peut-être qu'il faut que je pèse sur la Switch bleue. Que je pèse sur ce bouton là. Que je me mette là. La clé, je la mets là. En même temps, je pèse sur le bouton jaune. Ouais. C'est ça, j'ai pas. Les deux trucs qui me font le plus chier, c'est que y a pas de Switch grise en haut là. À part celle-là, mais il faut une Switch grise justement pour tourner l'autre bord. Que littéralement, la Switch grise que j'ai. Qui était toute en haut là, au milieu en haut. C'est la Switch que j'ai cheese. La deuxième affaire qui me fait chier, c'est que j'ai 12 secondes avec la clé. No matter what, je pense qu'à un moment donné, il faudra que je fasse quelque chose, puis ça va être tight à shit. Ça. Si je garoche la clé. Puis que je paye sur la Switch jaune. Non, après. Non, je veux dire, si je paye sur la Switch jaune ici, j'ai juste pas d'option de pouvoir revenir. Oh my god, this level! Holy fucking shit! Je veux pas peser sur la Switch grise qui est tout en haut là, ça c'est du cheese. Alright. Edis. Je ne le sais pas. S'il y a une manière plus conventionnelle de le battre que de la manière comment je l'ai exécuté tantôt. J'ai essayé d'aller voir sur le net, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui justement a battu Edis d'une manière plus simple. Il y a une vidéo qui existe sur le net. En tout cas, de ce que j'ai vu là, il y a une personne sur YouTube qui joue ce level là. Puis de la manière comment il l'a fait. C'est pas mal exactement de la manière comment que je l'ai faite. Genre, revenir l'autre bord, appuyer sur la Switch grise qui est en haut, revenir ici, puis accomplir le level comme ça. Écoutez, je ne sais pas si c'est ça la manière intentionnelle. J'ai comme l'impression que non. J'ai comme l'impression que y a quelque chose qui manque ici. Mais, écoutez, la manière comment que ça aurait pu être beaucoup plus possible ce level-là, c'est si la Switch bleue puis jaune que vous voyez au beau milieu de l'écran serait swappée. Si la Switch jaune aurait été en bas puis la Switch bleue aurait été en haut, là, ça aurait été beaucoup plus possible. À part de la manière comment je l'ai faite, je vois pas d'autre manière de comment faire ce level-là. Fait que, whatever. Le seul dude donc, que j'ai vu qui jouait les levels de e-reader sur YouTube a battu le level 10 exactement comment je l'ai fait. Skills, 3 bananes? Yeah, I guess que c'est skillé en tabarnak. Fait que c'est ça qui est ça, man. That's the end of all of them levels de e-readers. E9 a pas de cadeau. Si vous vous souvenez, c'est le level avec le candle. Il y avait pas de cadeau dedans le level, fait que... Well! C'était vraiment intéressant, j'avais l'impression de jouer un ROM hack. C'était vraiment le fun. Des levels que j'ai jamais joué de ma vie, accessibles techniquement sur Mario vs Donkey Kong. Mais... Edis, bro. Je suis quasiment sûr qu'il y a une manière que je ne vois pas, mais... Bref, whatever. C'est ça qui est ça! That's the end of the let's play, man. C'est fait que sur ça, j'espère que vous avez enjoyé les nice levels des readers. En tout cas, si jamais vous aimez autant Mario vs Donkey Kong que moi, j'espère que vous avez vu quelque chose de nouveau. That's it. C'était le dernier épisode sur cette série-là, man. Épisode bonus number 2. It's over, man. Fait que... ciao bye, guys! À la prochaine! Une prochaine série, whatever that is. I don't fucking know moi-même. Puis, ben c'est ça. On va se retrouver à une nouvelle série, bro!